Pearson, de Toronto. L'avion va partir à 17h45 après 2 heures de retard. Ce qui donne amplement le temps à madame d'examiner la publicité.
atterrir à Beijing. On nous dit qu'à 7h05 aujourd'hui, le 29, 7h05 p.m., il fait 21 degrés centigrades. C'est nuageux. J'ai l'impression que c'est pas seulement des nuages, il semble avoir du smog, je ne sais pas. Probablement une ville dortoir ici. Et voilà, ça ne devrait pas être long.笑的花朵。
donne un aperçu. Et la chambre de bain en étalage. Et voilà. La poésie.
c'est de l'eau, je crois. C'est le bien.
et par la ligne. Par exemple, la règle de la synchronie est pour installer sur l'hôtel, les tablettes de culte qui représentent les cultes. Comme chez vous, dans l'église, le portrait de Jésus. Parce que ça, la tablette représente les cultes. Vous savez, alors, à l'époque, les Chinois, comme les autres peuples du monde, ne savaient pas pourquoi ils faisaient de la pluie, du vent, de la neige. Ils pensaient que tout cela était contrôlé par le ciel, soit par le Dieu, l'Empereur Céleste. Ok? Le temple de la prière de Pentecôte est le monument historique le plus photographié et le plus souvent reproduit. Entièrement construit en bois. Entièrement construit en bois. Ce bâtiment est formé d'un assemblage compliqué de colonnes et de poutres transversales. Pas un clou n'entre dans la construction de l'édifice. Voilà. De 30 mètres de diamètre, de 38 mètres de hauteur. Ce temple est composé d'une triple toiture recouverte de belles vues vernissées bleues. Bleu, c'est la couleur céleste par excellence. Et surmonté d'un grand homme. Un grand homme en bronze plaqué d'or. Qui signifie le pouvoir, un des bien sûr, alors, à cause duquel ce temple a été détruit plusieurs fois par la foudre. Normalement, et c'est les charpentes.
c'était le 14. C'est un parc dont on fait partie, le restaurant où on vient d'aller dîner. C'est beau, hein? Il y a des beaux parcs. J'aime bien comme nous. C'est beau, ça. Ici, la place Tiananmen. Voilà le musée national. Céleste.
La plastine elle-même. Et on pénètre dans la... À l'intérieur, la cité interdite avec tous ses palais. Maintenant, nous sommes toujours dans le quartier rituel. Le quartier rituel. C'est toujours de plus en plus grand. Oui. Section rituelle, la cité interdite. Et le palais le plus important.
On vient de passer la partie rituelle, celle-là. C'est l'habitation et la place des eunuques. Et voici le palais. Kalau apa uli kita ni mesti. Oh, balik rasa. Ya, cuma kita hijau. Kami hijau. Kegiru cuma agak kalau apa. Ah, ini balik insya Allah. C'est le palais de l'impératrice. Ou les appartements, devrais-je dire. Thank you.
我们找地方坐着。幺幺零五。等会儿，我爸爸。